Eh bien, bonjour tout le monde. Alors, on est parti là cet après-midi, on est le 26 décembre. C'est les vacances et je me suis dit, allez, on va essayer de se faire peur un petit peu. S'il y a des gens qui sont là, n'hésitez pas à me communiquer mon micro. Oula, je bégaye. À me communiquer si mon micro fonctionne bien ou non, c'est un tout nouveau donc je ne l'ai jamais testé. On va refaire comme la dernière fois. Vous vous souvenez, si vous étiez là, j'avais mis mon écran un peu plus en couleur, histoire qu'on puisse mieux me voir dans le noir, puisque je vais jouer dans le noir, évidemment. Vous l'espériez, vous le vouliez. On va essayer comme ça. Non, c'est moche. Hop. On va essayer de régler ça. Comme ça, ce sera peut-être un peu plus visible dans le noir, ce sera peut-être un peu mieux. On va remettre par défaut. Là, j'ai peur qu'avec le jeu, ça fasse sombre. Voilà. On va faire ça. Non, ça fait des bandes noires. C'est dégueulasse. Attends, je vais refaire ça vite fait. J'en ai peut-être pas besoin. Ouais, c'est bien là. On est bien. On est bien, on est bien. Bon, allez, on va relancer le jeu. Je ne l'ai pas encore lancé, je vous attendais. On est à 85 minutes de jeu. Le replay est sur YouTube. Attendez, je vais agrandir ça un petit peu, on va se faire plaisir. On s'en fout. C'était Noël, on a le droit de se faire plaisir un petit peu. Mettre la cam un peu plus grande. C'est bon. Donc le jeu joué. J'espère qu'il sera pas trop fort. Je le baisserai en vitesse si c'est le cas. Alors on va vous l'afficher. Ça y est, il arrive. J'aurais très bien pu le préparer avant, mais je me suis dit bon, pourquoi faire des choses là alors qu'on peut les faire ensemble quoi. Voilà, je vois plus ma souris. Où est ma souris? Elle est devenue invisible. Et salut RK, comment ça va? J'ai perdu ma souris. Ah, ça y est, capture de jeu. Et voilà, c'est bon. On va se faire un petit peu peur, RK. Nickel et toi, joyeux anniversaire au fait. Oh, merci, mon RK. Je suis plus obligé de me baisser maintenant, je peux faire ça tout à fait. Oh, merci, mon RK, merci beaucoup. Oh. Ouais, j'ai step up un petit peu niveau matériel. Pas pu passer l'autre jour, il n'y a aucun souci, mon ami. Aucun. Allez, on va continuer un petit peu. Où est-ce que j'en étais? Nous avions mongolisé autour d'une machine à musique, là, un sonotone, je sais pas trop quoi. Non, un sonotone, c'est pour entendre. Je sais plus. Continuez. T'es sur PUBG? D'accord, ok. Aucun souci, des bisous, merci d'être passé. Alors, oui, ok. Donc, nous avions continué un petit peu la peinture. Bien moche, d'ailleurs. Et on avait réussi à remplir deux cases. J'avais besoin d'un bocal, machin. Donc, un bout de peau. Et du coup, attendez, on va essayer de comprendre un petit peu, parce que je me suis pas... J'ai pas fait trop attention. Alors, d'abord, j'ai cherché une toile, mais pas n'importe laquelle, il me fallait un couteau. Mais pas ceux pour couper le pain, il devait être aussi affûté qu'un rasoir. À vrai dire, j'ai utilisé un rasoir, et ensuite, littéralement, je cherchais la peau, l'alcool m'a aidé à contrôler le vin. Et ça, c'était quoi? J'avais besoin d'un bocal et d'un tube en plastique. Ouais, ok. De toute façon, si vous regardez le live, vous étiez là avant, vous vous en souvenez. Et sinon, vous êtes peut-être sur YouTube. Un album photo. On va regarder les photos. Une fille au piano. J'avais pas vu qu'il y avait un album la dernière fois. Ah, mais c'est moi qui trouve les photos, je crois, depuis le début. Ouais, ok. Je crois que c'est à moi de trouver les bouteilles. Bon. Je n'assume toujours pas de jouer à ce jeu, on est d'accord?
entendu. Ouais, il y a un truc avec son chien là. Ici, là. Toc bénéfique. Ok, donc j'ai eu un succès Steam. Toc bénéfique. À mon avis, c'est le fait d'ouvrir les. Tout le temps les portes. Ou c'est ça? Oh, stop looking at me like that. It's just a little something to help me focus on my work, that's all. Donc il était alcoolique. C'est tout. Ok. Allez, on peut bouger. J'aime pas ce genre de jeu, c'est ouf. Il y a quoi ici? Graines de rongeurs, je vois la saleté bouger, terre souillée, rien ne pousse plus. D'accord. Ça, je me suis fait peur. Si, ouvre-toi. Il y a rien. J'avais pas vu lui. Donc là-bas c'est bloqué. Salut Kiro, bonsoir à tous. Bah dis donc, l'habitude de venir sur les streams le soir. Oh putain. J'ai une énorme frayeur là à l'instant. Il va y avoir quelque chose, évidemment. Salut Sakon! Comment ça va? Blocage du créateur. Y a rien? Ah bah allez, évidemment, je suis plus dans la même pièce. Les murs se sont fermés. Ah bah non, je croyais qu'il y avait. Oh, c'est quoi ce jeu de ouf? C'est quoi ça? Une clé. Je pense que j'ai eu le bon réflexe en prenant la clé en premier. Bah pour l'instant ça va. Y a rien là, ok. C'est. Heureusement que j'ai dit pour l'instant. Putain les gars, j'ai horreur de genre de jeu. Ouais, ça doit être important si j'ouvre la clé. Alors. Comment deux personnes se sont tant aimées par votre. Comment deux personnes qui se sont tant aimées peuvent autant s'éloigner si profondément? Mon mari ne m'adresse plus, presque plus la parole. Il s'enferme dans son bureau, il est obsédé par ses peintures qu'il rate les unes après les autres. Il ne veut même plus coucher avec moi. Je vois bien que je le dégoûte. Ce regard qu'il m'a lancé l'autre jour, ce regard blessant et pathétique, un mélange de honte, de culpabilité, de répulsion, je me rends compte que je suis devenu un monstre aux yeux de mon mari. C'est quelque chose qu'une femme ne devrait jamais ressentir. Malgré tout, moi je vais bien m'occuper de toi si tu veux. Malgré tout, en bonne épouse que je suis, j'ai décidé de réaliser le fantasme de mon mari. S'il pense que je suis un monstre, alors je vais agir comme tel. Ah non, mais non, en fait, non. Bon, par contre, si elle commence à sortir. Non! Ah!
Juin, n'oublie pas. Le 9 juin. On dirait mon histoire avec mon ex. On a tous des histoires d'ex un peu chelou. Je sais pas s'il fallait fermer, mais... On va voir. Il va se passer un truc là maintenant. J'ai sursauté, je le sais très bien. Merci encore d'être venu, hein, vendredi, ça. Tu veux prononcer le X ou pas dans ton pseudo? Je fais attention maintenant. C'est vrai qu'il y a le piano tout à l'heure. Non? Non, mais toutes les pièces se ressemblent. Pourquoi j'ai l'impression que ces livres vont voler au bout d'un moment? Voilà. Donc là, il y a un truc. Idiot aveugle. T'sais, il a vraiment une tête genre... Ça console, quoi. Il faut que je fasse quelque chose avec ça. Là. Ugly. Vous avez commandé un portrait honnête. Alors c'est ce que j'ai pas, espèce de plou. Là, il est pas content. Ça va bouger. Même pas. Y a rien. C'est quoi ça? J'ai vu un truc écrit, non? Idiot aveugle, non, ça change rien. Avec mes conneries, j'arrive à level up. C'est tout? Y'a rien à faire de ce cadre. D'accord, c'est juste pour l'histoire. Je ferme les portes, moi. Alors. Donc nous sommes arrivés par là. Il y a les livres là-bas. J'ouvre toujours les portes. Nous ne savons jamais. C'est par là que je dois aller, je suis pas sûr. Ouais, non. Bah du coup, oui, c'est par là que je dois aller, mais c'est pas là. Par là? C'est pas de là que je viens? Ah non! D'accord. Là aussi, ça va être fermé. Ouais. On peut pas sauter. Donc on doit descendre par les escaliers. Ça marche. Dis-moi Kiro, est-ce que mon son est meilleur? Nouvelle carte son, nouveau micro. À mon avis, toi qui connais bien mes streams, tu dois voir la différence, non? Pourquoi il y a quelque chose qui va... Pourquoi je pense qu'il y a quelque chose qui va passer là-haut? Il faut que je trouve... Ce qu'il faut voir. Et quelque chose va se passer. Ceci n'est pas une pipe. Y a rien à voir? Y a rien dans cette pièce? Genre une pièce... Y a des trucs cachés partout. Et là, y a une pièce avec plein de documents et y a rien à voir. Ah, on peut monter. Là-bas. Non. Je fais gaffe à ce que je fais. Ça me paraît limite logique qu'il y ait quelque chose là-haut. Et que ça me fasse peur de là-haut. Ça n'a pas fait peur de là-haut, mais j'avais raison. À moins que... Oh, je sais pas s'il faut que j'aille dans la pièce là-haut, ça devait être la pièce avec la clé. Il y a moins de réverb. D'accord. C'est ce bruit.
Oh, c'est long. Je vous prie. Ah, je vous avoue que je m'attendais à votre lettre. Plusieurs collègues m'ont prévenu que vous aviez déjà demandé de leur assistance à ce sujet. Ouais, c'est un truc de psychologie. C'est donc plus confortable. Ah, ça fait plaisir. Après, voilà, mon appartement, j'ai des petits soucis de réseau électrique. Du coup, je pourrais améliorer ça qu'en déménageant. Je tourne en rond, là. Ah, il doit y avoir un truc à faire. Non ? Par contre, c'est vachement chelou que je vois. Ah, doit y avoir un truc à faire là. Interférence, dégrésillement, je me prends des joutes des fois avec le. Avec tous les appareils électriques. Non, y a rien là. Bon alors. Parce que là, on est d'accord, je suis bloqué. Je tourne en rond depuis tout à l'heure. Et que je m'y connais pas en informatique. Attendez, j'ai peut-être loupé quelque chose. Par respect pour vous et votre femme, j'ai malgré tout examiné votre cas avec attention et mes collègues ont vu juste. Les spasmes musculaires involontaires sont fréquents chez les patients qui souffrent de brûlures aussi sévères que celles de votre femme. Ce que vous qualifiez de sourire barbare ou de piaillement perturbant, bien que cela puisse être vexant pour certains, pourrait être signe de dégâts nerveux. Cependant, les autres symptômes dont vous parlez ne semblent pas être psychologiques, mais plutôt de nature. Non, physiologique, mais psychologique. Non, il n'y a absolument rien. Analysons pièce par pièce. Eh, mais en fait... J'ai l'impression que le téléphone sonne... dans le mauvais sens. On va aller là-bas. Est-ce que c'est moi qui tourne en... J'avais raison. J'avais raison. C'est bien dans ce sens-là. Hello. Yes. Oui, j'avais bon. What fire? Oh God. Is she? Which hospital? I'm on my way. Ok, donc là en fait c'est il apprend que sa femme est à l'hôpital. Et donc du coup la porte est là. Bon. Mais où est la porte? Là. Ce jeu est ouf. Donc, oh putain. Est-ce que vous voyez bien le jeu? Est-ce que c'est pas trop... sombre?
Oula. Oula là. Ah, j'ai chopé le la j'ai le papier. Là, je peux aller là-bas? Non, c'est bien, ça nous plonge avec toi dans l'ambiance. D'accord. Du coup, j'ai le papier, je peux retourner en arrière. C'est cela? Je pense que oui. Ah, merde. Bah, je pense que non, en fait. Je me suis fait peur moi-même. Ah, ferme la porte. Ça m'arrange. C'est quoi, ça? Donc, nous avons encore une petite énigme. La pièce est à l'envers. Il y a un coffre, là. Des tiroirs... c'est pas des... C'est des tiroirs. Il y a rien dedans. C'est quoi, ça? Ah oui, c'est à l'envers, du coup. Il n'y a rien dedans. Une fourchette, il faut la prendre? Non. Faut que je trouve pourquoi la pièce est à l'envers, je pense. Donc ça, ça n'a rien à voir. Je vois pas trop... C'est quoi, ça? On voit rien du tout, en fait. Attendez, j'ai quand même... je vais voir si je peux monter la luminosité, parce que... Ajuster la luminosité en bougeant le curseur jusqu'à ce que le portrait soit à peine visible. Il était bon, mais si je vois rien du jeu... Ok, allez. J'ai augmenté légèrement la luminosité, du coup, Kiro. Il n'y a rien. Il y a forcément un truc dans les tiroirs. L'autre. Il y a combien? 1. 1. 2. Je suis pas sûr de toujours de pas toujours ouvrir le même depuis tout à l'heure. Il y en a peut-être un autre. Il y a rien ici. Des taches de sang. Je suis un petit peu perdu. À moins qu'il y ait quelque chose ici, un indice. Ou alors c'était dans l'autre pièce. C'est quand même bizarre qu'il y ait du sang ici. Les fêtes se sont bien pensées. Là! J'ai eu peur. Donc effectivement, il y avait des tiroirs. Une brosse, on s'en fout. Un buste. La fourchette est toujours là. Je vais pas voir ce qui s'est passé quand même. Non. J'ai vu tout le monde réuni. C'est cool. C'est ce qu'on attend des fêtes, c'est cool, Kiro. Pourquoi j'étais reculé? Oula. On peut avancer? Je n'ai pas peur. T'es faite. Là, je suis désolé, je suis... J'ai la lumière et j'ai pas vu puisque t'écris en noir sur en blanc sur noir chez moi. Désolé. Ouais, tout le monde était là, Kiro. C'était ultra cool. Qu'est-ce qu'il m'envoie des messages? Bug Télécom, Papa Happy Noël TV. M'en bats les couilles, frère. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Donc on descend. Ok.
sais pas s'il fallait que je descende ou pas. Je sais pas si j'avais plusieurs choix en fait. Alors, dans tous les cas, en qualité d'avocat, je vous conseille d'éviter toute action imprudente. En d'autres termes, ne faites rien de stupide, nous avons encore une chance de gagner. Croyez-le ou non, j'ai tiré des clients de cas bien pires. Bah dis donc. Évitez de faire empirer la situation, faites profil bas et laissez-moi faire appel au jugement du tribunal. L'assistante sociale a un faible pour vous. Bouaf. Rien de très important. Bon, je pense que je suis bien dans la bonne pièce. Oh oui, je suis jamais venu là. J'ai pas vu la porte. Ah si, je suis déjà venu là, non? Non. Y'a rien à prendre. Aucun souci, Kiro. À quoi ça sert de pouvoir faire couler l'eau? Oh la musique. Vous entendez la t'entends la musique angoissante? Je pouvais aller là-bas, mais je vais aller là-bas. Trop de choix. Non. Je me demande à quoi ça sert. Tout est fermé. Pourquoi il y a des particules en suspension? Tout est fermé? Ah non. Bah, je suis dans la même pièce que... Non. Je me doute qu'il y a une connerie avec les murs. Et celle-là, est-ce que c'est un mur aussi? Eh, je suis pas bourré, hein. Putain, il est cruellement efficace, ce jeu. Oh. Je vois rien du tout, là. Enfin, c'est tout... On voit qu'on descend. J'ai cru que c'était un visage, ça. Ah, il y a un énorme boom bass. Il y avait un truc, là. Il a disparu sous mes yeux. On peut bouger l'échelle. Là, on pouvait monter sur l'échelle. Il y a un truc qui a disparu là aussi. On remonte le temps. Les draps sont en train de disparaître. Un à un.
faire couler l'eau. Bah, à quoi ça sert? Ah, il y a un piano. Oh. Il va se passer un truc dès que je vais toucher le piano. Salut Ashnazar, ça va et toi? Enfin ça va, faut le dire vite. Putain mais Bouygues, vous me pétez les couilles là avec vos mails. C'est un peu chelou ce qui est en train de se passer là, non? Alors dites-moi tout le monde là, qu'est-ce que vous avez eu de beau pour Noël? On va s'en jaillir un petit peu. J'étais bourré là pendant quelques secondes. En même temps, je suis vraiment bourré là. Malade. Ah. Ah, je peux les bouger? Tout va bien. C'est là qu'il y avait le piano. I needed to remove the flesh from the bone. Ah. Je n'avais aucune idée de sur la manière de faire, mais ensuite j'ai coupé avec une scie à main. Et j'ai mis dans un mortier. J'ai dû en procurer un, c'était bien entendu ma première fois. Finally, I mixed the dust with some white paint. It made for a lovely undercoat. Ah, j'ai un objet en bas à droite, c'est un os. Qu'est-ce que je vais devoir en faire? Il va falloir que je le mette quelque part, ou bien... Il y a de la lumière sur le coffre, là. Ou c'est un hasard. Ou bien, j'ai ce qu'il faut pour continuer une partie du tableau. Je vais remonter. Si je peux monter, s'il me laisse ouvrir la porte, c'est que c'est bon. Voilà. Bon, qui avait raison? Putain, la pièce va être de plus en plus en bordel. Donc là, voilà, j'ai réuni une pièce en plus pour continuer le tableau. On va dire que ça prend forme un petit peu. Et donc là, voilà, j'ai mon objet en plus. Donc visiblement, j'en serai plus ou moins à la moitié du jeu. Oh, reste ouverte. Je sais bien même que t'enlèves la porte comme là, c'est plus beau. Bon alors. Je déteste, malgré tout, perdu sans espoir, tu seras toujours un malentendu grotesque, terminé. Mon avis, c'est une lettre d'amour et ou d'excuse à la fois. Là, il y a toujours des choses dedans, mais toujours rien. On s'en fout. J'ai rien trouvé de plus depuis tout à l'heure. Est-ce que toutes les lettres, tout ce que je trouve, les photos se mettent dedans? Ça m'a l'air d'être le cas, oui. Quoique, non. Ah, pour ceux qui sont là, si vous n'avez pas vu, j'ai sorti une vidéo sur Noël. Akiro, je sais que tu l'as vu. Le sol se pète de plus en plus. Bon. On va continuer. Ignore là. Salut Blacko White.
Merci pour le follow. Oh putain, tu m'as fait trop peur. Y'a rien à faire ici? En face non plus? Je peux fermer la porte? Ouais, voilà. Tu me feras plus chier, toi. Ne me remercie pas. T'as flippé. Ouh, t'es trop mignon. Il faut pas que ça parle de gosse, hein. Faut pas que ça parte en couille avec un gosse. Délire. C'est la patte flou comme ça. Je peux partir? No, that's not right. Try again. Don't give me that look. What do we do? Comment ça va, Black Wild? We start over. You're better than this. Now sit down. Je demandais justement qu'est-ce que vous avez tous eu pour Noël. Let's make it perfect. Voilà. Ok, il n'y a plus rien derrière. Donc on va là. Ça va maintenant que je t'ai fait peur. Putain. Oh, ça va. Hey, what is that? Alors, il y a un spy, il est pas content. What day is it? It's Sunday? You mean I... Oh. Well, why didn't you come and get me? Pourquoi t'es pas venu me chercher? God. À mon avis, il a un hangover de ouf. Quand je suis, quand je suis absorbé par mon travail. T'as des cases en moins. Le mec, il insulte quelqu'un qui follow, quoi. Y'a que chez moi que ça se produit, ce genre de choses. Oh là là. Pourquoi y'a beaucoup de dessins d'enfants? Y'a de plus en plus de dessins d'enfants. Alors... C'est fermé. Ok. Aucun souci, Black. Ah. Mariage guide. Putain, il bouffe la bouche. Place de l'enfant dans le mariage. Guide du mariage. Attendez-vous à l'inattendu. Le bonheur quotidien des parents. À mon avis, il y a vraiment un enfant dans l'histoire. Mais ce serait triste. Ah, bon, bah, je crois qu'il n'y a plus de mystère. Le bébé vengeur. Oh, avais-je raison? Oh, putain, ouais, Kiro. Pour ceux qui se posent la question, allez voir ma chaîne YouTube. Il y a des belles vidéos dessus. Et il y a le premier... La première vidéo que j'ai faite sur ce jeu. Bon, bah, faut passer par là. Pas avoir peur. Là, c'était pas comme ça avant. Si, c'est déjà colorié. C'était déjà peint sur les murs. Moi, j'ouvre toutes les portes. Hein. Toujours. On peut poster dans. On peut poster dans tes clips. Si c'est sur Discord, oui. Mais du coup, si c'est sur ma chaîne perso, c'est sur ma chaîne perso, c'est pas sur One Lifer. Y'a rien. Alors, il doit y encore y avoir un truc à faire. Putain, y'a des chaussures du bébé, les gars. D'où Jésus, tu as dévalisé la moitié du magasin? Oui, sur le... Ouais, y'a pas de soucis, ça, Sarah, ça, t'inquiète.
Puis ça ramènera peut-être les gens. Donc alors, on a vu les chaussures. Il n'y a rien à faire avec ce dessin moche là sur le mur. Et ça là, c'est à terre. Est-ce qu'il faut pas le remettre là? Non, je peux partir. Ah oui. J'ai partagé ma connerie. Bah écoute, si ça te fait plaisir. Un pouls de souris, des points rouges foncés, les poils bas à moi, où sont les ciseaux? Attends, un pouls de souris, les points rouges foncés, des points rouges foncés, donc c'est ses yeux, les poils bas à moi, où sont les ciseaux? Ok, bon, à mon avis, est-ce que ça veut dire quelque chose? Alors, il y a une porte là-bas. C'est rigolo parce que ça sert à rien. Ça, c'est comme si dans mon oreille j'entendais. Oh, c'est rigolo ça. J'entendais de un cœur qui bat. Il va se passer quelque chose? Non, c'est juste pour le style. Non. Mais pourquoi il y a ça là? C'est quoi ce délire? Tant pis. Et c'est quoi? Qu'est-ce qui brûle? Une maison. J'ai ouvert la porte, je me suis cassé. Ah bah j'avais bien entendu un cœur, vous avez vu? J'avais dit, il y a un cœur qui bat. C'est un petit port d'art. Oula. Leur jouer. Là. Ah, j'ai fait quelque chose. You beat me again. Sometimes I wonder why I even bother. Excellent clip. Ah oui, Kiro, ouais, t'es modo, ouais. Tu peux partager. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Tout naturel. Ça sert à rien d'éteindre la lumière. Du coup, ce sera fort probablement dans mon prochain best-of YouTube. Bon bah allez, c'est parti, allons voir la madame qui pleure. Bah elle va passer là. Je vais aller par là plutôt. Je le sens pas mieux mais... Vous m'y reprendrez plus à jouer à ce genre de jeu. En même temps, est-ce qu'on peut appeler ça jouer? Près du buisson de mur vers la crique d'émeraude. On peut retourner? Ah. Vivait une fois une canne qui était un peu bizarre. Peu satisfaite d'être sur la rivière, juste à barboter. Elle déchirait les cœurs et mâchait aussi les foies. D'accord. Ok, c'est joyeux. Donc là, il y a des feutres.
pourquoi j'irai là-bas en fait. J'essaie d'aller là-bas. Tu pourrais battre le record du monde du plus haut saut en hauteur. Putain, je regarderai après Kiro. Tu m'intrigues. Je vais regretter. Succès déverrouillé. La difficulté de l'artiste. Putain, le screamer. C'est original. Je sais pas si j'ai bien fait d'aller là en fait. J'aurais dû aller de l'autre côté. Il se serait rien passé. Ah bah ok, genre c'est bon, t'as fait peur? Bah vas-y, casse-toi. Il y a quelque chose qui se passe. Un tableau. Ah, c'est le tableau qui était là. Une lettre, ça sert à rien. Vous m'avez toujours pas raconté ce que vous avez eu de beau pour Noël. Hein. Moi, je dis ça. Je vais avoir tous les succès d'ouverture de porte. Il y a rien à découvrir ici. Il y a un trait. Ça sert à rien. Ok. Oh oh oh. Qu'est-ce que c'est drôle. Bon bah j'ai dû passer à côté de quelque chose. On va réessayer. Non, c'est normal, c'est plus en plus gribouillé. Elle coffrait pour sentir bon par ma copine, du coup je crois qu'elle veut passer un message. Coup de boule. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Vous avez dit, j'ai pas dit qu'est-ce qu'il faut que je fais. Faut peut-être rien faire. Peut-être avancer. On avance. Je vais pas dessiner sur les murs. Alors. Ah merde. Je suis retourné dans la première pièce. Non, il y a plus de crayon du tout. Continue. C'est fermé. D'accord. J'ai pas eu peur. Des pop, un masque de Stormtrooper, cool. Une participation au Ulule de Nooba. Et des conneries. Ah, c'est cool ça. Est-ce qu'ils ont encore besoin d'être vraiment Noob? Oh putain. Il va bouger lui. Je peux pas lui claquer dans la gueule. Eh. Oh le pauvre petit. Mais pour le principe. Ah non, pour. Je dis pas que ça sert à. Attends, lui, il était là. Je dis pas que ça sert à rien, c'est super cool. Je valide totalement. Hein. C'est moi qui fais ça? Putain, ça va bouger. Ça, c'est rouge. C'est pas normal. Non, c'est normal.
Putain, mais ils sont trop creepy. Tiens, mon dernier best-of, le lien. Le lien n'est plus bon. J'en ai encore fait un entre-temps. Allez, dis-moi que c'est pas à moi de faire quelque chose, là. Putain, j'ai tous les poils du corps qui se dressent. Quelqu'un va faire. Du coup, il y a toujours rien dans les armoires. C'est quoi ce jeu? Est-ce qu'à ce niveau-là, on peut appeler ça un jeu? Bon. Ah, ok. Téléportation. Pourquoi j'ai peur que toutes les poupées là volent? Il n'y a plus de mur. Ok. Ok, ça commence à me péter les couilles, je vais tout droit. Ah, c'est putain. Putain. Facepalm. Bon, bah, on avance, écoutez, on peut pas faire autre chose. Putain, c'est chelou comme jeu. J'ai déjà dit que c'était chelou. Non, mais tu te fous de ma gueule? Ok, je crois que le jeu veut qu'on aille là. C'est quoi cette folie? Oh non, je peux jouer un enfant. Non. Oh. On dégage. T'aimes pas les enfants dans les jeux d'horreur? Bah je te comprends. C'est là-bas. Il y a quelque chose, vous l'entendez? Allez, on s'enferme. Je sais que c'est là. Oh, what is this? Je suis désolé, princesse. Non, 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 ne pleure pas. On va t'en trouver d'autres. Or better yet. Daddy's gonna buy you another dolly. Papa va t'acheter une autre poupée. Can have a new friend. Oula. Oh. C'est tout? Il va se passer quelque chose du fait que je sois allé là. Non? Mais en vrai, la maison est gigantesque.
Bon bah allez, on va de l'autre côté. J'ai fait le plus beau des rêves la nuit passée. Salut Kermit! Bonsoir! J'ai vu qu'il m'a rendu visite, m'embrasser, m'aimer comme autrefois. Mais nous savons tous les deux que pendant que j'étais dans mes petits rêves, c'était moi dont il avait vraiment envie. C'était de toi! Quoi? J'attends parce que là il y a un bruit, il va forcément se passer quelque chose. Il y a quelque chose dans cette pièce. Non, on va la fermer. Oh, ça va, bah tant mieux pour toi. C'est fermé, tant mieux. Il n'y a rien ici. Quand un follow à un moment. Black. Putain, c'est vraiment ça que t'as clippé, quoi. Ah, c'est fermé à clé, tiens, c'est bizarre ça. Il y a très peu de portes fermées à clé. Enfin, très peu de placards. Peut-être une clé quelque part, du coup. Pourquoi on est obligé d'avoir des bruits chelous? D'accord. Tout est fermé à clé. Ce serait con de mettre la clé dans un tiroir. Ah, c'est pas une clé! Ah, j'ai détesté ce que je vais faire, je le sais. Je pouvais pas faire autre chose. J'ai aucun contrat là. La porte s'est fermée. Toutes les portes se ferment toutes seules. Donc je m'en fais pas pour ça. Oula. Bam, bam, bam. Pas étonnant que ce soit un teubé le gosse. La maman était handicapée. Chut, mon bébé, la nuit est sombre. Et là, la pièce a reculé encore. Les étoiles fuient, la chambre plonge dans l'ombre. Maman. Avant, venez te border. Maintenant, elle s'en est allée. Ah, il y a des mains. Il y a des mains qui arrivent. Ah, c'est fermé, d'accord. Faut que je fasse quelque chose.
Il y avait des poupées, des mains. Ah, ici. Non ? Plein de yeux. Après, il y avait lui qui bougeait. Pourquoi je fais ça ? Qu'est-ce qui se passe? Tu veux que je continue? Non? Je l'ai remonté? Je peux toujours pas sortir? Il y a le bruit d'un enfant qui joue. Ça c'est fini. Il dit net. Il y a des portes en dessous. Est-ce que je l'ai ouvert tout à l'heure? Il y a un dessin là que j'ai pas encore vu. C'est un arbre. J'ai raté quelque chose? Ah bah oui. C'était un pinceau spécial. Comme un pinceau en crin de cheval mais différent. À ce moment-là, j'hésitais. Cela avait-il vraiment marché? Fuck, j'avais déjà presque fini et puis ce n'était pas comme si je pouvais recoller les morceaux et tout oublier. Ça y est, j'ai un morceau en bas à droite, vous le voyez, genre ici là. Est-ce que il suffirait pas de le mettre sur le tableau pour compléter une partie du tableau? On va le savoir maintenant. Je crois que non. Putain, ça me fait peur. Dites-moi que vous avez peur avec moi, là. Mais... Ah si, voilà, j'avais raison. Tu vois, Kermit, la porte s'est fermée. Oh là 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 là. En fait, la pièce se modifie en fonction de ce qu'on fait. Genre là, il y avait plein de poupées et tout ça. Ah, c'est tous les dessins que je trouve, là. Et là... On va tout mettre une nouvelle couche au tableau. Pas peur, mais j'aime pas les trucs qui l'attendent. Ah ouais, c'est pas que ça fait peur, c'est angoissant et ça... Oh. Voilà. Et donc du coup, évidemment, voilà. On a rajouté la mèche ici. Et la lettre, elle s'est réécrite, non ? Je déteste malgré tout, perdu, tu as toujours été seul, tu sors toujours espéré, une grave erreur, terminée. C'est psychologique, mais c'est ça. Et à part le screamer tout à l'heure, là, quand il y avait les chaises comme ça dans le couloir. Mais là, la pièce, elle change pas du tout, je pense qu'il y a rien de nouveau. Oh, le bébé moche. Non, il n'y a rien en plus. Je vais regarder un petit peu sur Steam. Là, je suis sur Steam, les succès. J'ai 19% de succès. 26%, ça a augmenté. Allez tous sur ma chaîne YouTube, vous abonnez, vous avez le lien dans le chat. Bah, 9% de succès seulement, quoi. C'est vrai que des fois, je vais dans des pièces et pas dans d'autres. Gone. Attendez. Qu'on réfléchisse. J'ai fait la dernière fois j'ai arrêté ce jeu là à ça ici. Là j'ai fait les deux là. On va en faire un dernier. Il y a pas de beau bébé. Pour pimenter le jeu. Salaud. Hop. Parce que j'ai pas envie de faire des VED trop longues. Dim, 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 dim. C'est original ça. On peut
pas ouvrir le livre. Faut continuer à tourner ? Non. Mais... Le nombre de meubles vides. J'ai continué à tourner, mais j'ai bien vu qu'il y avait une porte. Une porte ici. Ok. Allez. Ah, c'est fermé. Il doit y avoir une clé quelque part. Il fallait éteindre la lumière. Non ? Non ? Attention ! Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Pourquoi il y a une toile vide ? C'est pas normal, il va falloir que je fasse un truc sur la toile. On peut pas toucher à ça. Donc ça, c'est ce qu'il y avait tout à l'heure. Il y avait une table, tout ça allait péter. Et là, il y a une porte. Je continue d'avancer pour voir s'il y a des choses à récupérer. Il semble pas. J'aime pas rater des détails. Ok, on va passer la porte. Il a pas peur, non. Il retient bien sa respiration quand même. En fait, ce jeu me dérange. J'aime pas les jeux d'horreur. Et celui-là, ça va parce qu'il n'y a pas de screamer, des choses qui te suivent ou quoi. C'est vraiment psycho. Non, j'aurais pas dû faire ça. Attendez, je sais qu'il va falloir éteindre les deux lumières. C'est logique. J'ai quand même fouillé les armoires. Il n'y a rien dedans. Bon, on y va. Ah non ? Pourquoi il y a une pièce comme ça ? Il y a forcément un truc à faire ici. Ah. Ok, on a une lettre. C'est reparti avec cette histoire de rat. Je ne crois pas en avoir vu un seul, mais il pose quand même des pièges partout dans la maison. Et il dit qu'il entend dans les murs et qu'ils sont des centaines. Mon Dieu, j'espère que c'est vrai, qu'ils vont ramper jusqu'à toi et te bouffer dans ton sommeil. Toi, cruel, narcissique, pathétique, ivrogne. Bah, ok. Mais si j'entends vraiment des rats, qu'est-ce que je fais ? Je peux rien faire ? Non. Cette pièce ne servait peut-être pas vraiment à grand chose. Il y avait une lettre. Peut-être qu'il fallait lire la lettre. J'ai entendu un petit bruit. Oh là là. Allez, j'avance. Attention le screamer. Et attendez, je vous l'ai dit, attention le screamer. Et j'ai quand même réussi à avoir les poils qui ont sauté de d'un bras à l'autre, quoi. Je sais pas si je fais bien. Si j'aurais peut-être pas dû y aller. Je sais pas, en fait. On avance. Pour l'instant, je vois que la progression est bonne.
Ah, il y avait des rats. Une clé. T'as les poils qui ça toi? Oui, ouais. Pas toi? J'étais pas obligé d'aller dans cette pièce. Alors pourquoi ils l'ont faite? Je me dis que dans un jeu, il y a rien. Bon bah si. D'accord. Donc la clé. Putain, j'ai sursauté. Guide-moi, petit rat. Ouvrons un restaurant ensemble. Oh, ça va, tu vas te calmer, ouais. Ah. Putain, les portes qui servent à rien. Il s'est caché là. Je vais pas l'éteindre. De toute façon, je peux pas. Ah merde! Il m'a pas emmené là pour rien quand même. Il doit y avoir une clé cachée quelque part. Mais pourquoi je suis là s'il n'y a pas de clé cachée? Il se dresse mais ne se décroche. Bah écoute, je suis peut-être bizarre, écoute. Je suis bizarre. Première fois qu'ils font ce petit truc. Il n'y a plus un sourd dans le jeu. Putain, je vais sursauter les gras. J'aimerais bien voir si quelqu'un a fait un plan de la maison. Genre quelqu'un avec ça à foutre. Pourquoi il m'a emmené là? Pour ça? 4 dog rats. Bah. D'accord. J'ai vraiment besoin de faire quelque chose? Ou alors, derrière la porte, ça a changé. Oh, la combinaison. Oui, il y a un code, oui. Bon alors, faut redire le code. Donc, on va le faire à l'envers. Le chat, c'est ça. Le 2. Bah attends, mais c'est facile. Est-ce que c'est vraiment ça? Attendez, est-ce que c'est les bonnes couleurs? Non, le dog... C'est deux. Donc, on va faire chacun. Le chat, c'est un, deux, et le rat. Non, on va faire plutôt comme ça, ce sera plus simple. Six, un, deux, six. Pourquoi quatre, cinq, six? Parce que celui-là aussi va au chat en fait, le 1. On va voir. J'ai tenté le tien. Tu dois être plus intelligent que moi dans tous les cas. Et moi j'avais 1, 2, 6. 1, 2, 6. Bon, non, mais... On s'est planté tous les deux. 1, 5, 6. Non. Ça, je vais mettre des heures à faire ça. Non, attendez. Alors, ne pas tricher. Trouver la solution. Donc. Non, mais on est con. Peut-être que ça, en fait, ça n'a rien à voir avec les lignes. Regarde. 2, 4.
9, la couleur. C'est 3 couleurs. Je suis sûr de moi, mais si je me trompe. 2, 4, 9. Bon, d'accord. Bon, bah, c'est bon, je suis con. C'est bon. J'étais sûr de moi. C'est quoi ça? 4, 7, 9. Pourquoi 4, 7, 9? Pourquoi Kiro 4, 7, 9? Pourquoi donc? Ah mais... Non, c'est simple. Les chats et les chiens, on s'en fout. C'est les trois numéros du rat. On suit des rats depuis tout à l'heure. 6. Bah non. Je suis nul. Bah, oh là là, attendez. 6. Bon, il y a souci parce que quand je fais ça dans ce sens-là. Oula. J'ai un petit. Non, bah non, c'est pas possible. Oh putain. Les couleurs. Bah, les couleurs. 2, 7, 9. Donc, ça, c'est ce que j'ai déjà fait. Ça va au 7. Attends, on va faire un par un. 2. Cinq. Pourquoi trois? Trois. Parce qu'en fait, il y a plein de. Chacun va bien. Il y a plusieurs chiffres en fait, il n'y en a pas que. Ou alors ça n'a rien à voir. 3, 4, 1, ça marche pas. Si, ça a forcément à voir. Je me dis pourquoi il y avait des rats depuis tout à l'heure. Pas de chat, pas de chien. Et les mêmes couleurs. Il y a trois lettres. Le ma technique c'est des traits du milieu, c'est pas ça. Bon, la technique c'est les traits du milieu, c'est pas ça. Quoi? Regarde, celui-là il va au 7. Le T va au 7. Celui-là il va au R, le A et le R. Donc en fait, il y a que le T. 6 8 7. Et si vous trouvez la solution, enfin, pas sur Internet évidemment, mais si vous trouvez là comme ça, j'ai raté un truc. Comment t'as fait, Black? Comment t'as fait pour trouver 6, 8, 7? 6. R. 8. A. Bah attends. Oh, en fait! Je faisais ça, là vous voyez, je suis la ligne. Et je remontais là comme un con. Alors qu'en fait, c'est bien ce que j'avais dit. C'est les trois lettres de rat. Voilà. Découvrez ma dernière vidéo YouTube. C'est pas celle-là ma dernière vidéo YouTube, c'est une autre. Ok, en fait j'avais raison, sauf que j'étais trop teubé. Pour aller dans le bon sens. Servait à rien. Ouais, ok. Oula. Je viens de là. Je voulais aller là-bas. Il y a eu... Je sais pas. On va aller là. Faut toujours une femme. Et ouais. Heureusement que t'es là, Black.
Oh, le petit rat. Ou alors là, ça part un petit peu en couille. On suit le rat, on le voit là. On va se casser la gueule ? Il avançait plus, il y avait... Vous serez triste sans nous, mais tellement. T'as un amour. Ça dépend pourquoi. Je crois qu'il y a un rat. Oh, c'est ça ? Oh, c'est bien fait. Et donc, Kemen, enfin ! Il y a une porte derrière, il y a vraiment rien à faire dans cette pièce ? Même pas bouger un truc ? Éteindre la lumière ? Non ? C'est... Vraiment ? Une maison de fou ? Je vis tout seul, hein, Black. Je fais tout seul. Je crois douter. Ah, je m'y attendais pas. Là, je referme la porte. Pourquoi on peut tourner ce truc? Ça sert à quoi? Depuis le début, il y en a. Dang, allez vas-y, fais du bruit. Fais-moi chier, toi. Non, ça va. C'est tout? À mon avis, il faut refermer toutes les portes. Vous savez quoi? On va refermer toutes les portes. On va tenter un truc. Est-ce que c'est ça? Est-ce que je vais avoir un truc genre... Si les portes se sont ouvertes et refermées, est-ce que c'est que pour l'angoisse ou il y avait vraiment un petit truc à faire? Bon, il se sert à rien. Autour d'un verre. Oh lolo. J'ai pas de vêtements sales, je m'en rachète des nouveaux. T'as quel âge, Black? Voir si c'est toi qui fais la vaisselle à lessive ou quoi. Yeah. Y a rien d'intéressant dedans. Salut, désolé pour ce long silence, mais j'ai beaucoup de travail. Je dois dire que ta dernière lettre était troublante. Je n'en reviens pas qu'elle puisse mettre le feu à tes vieilles peintures. Alors, du coup, on a raté quelque chose. 26 ans. D'accord. Oui, donc ça, ouais. Je suppose que tu dois effectivement faire le ménage. Encore une muselière, ce clébard veut pas la fermer. Hey, I can do that too. See? Complètement fou. You paint. C'est quoi cette tête? No? Laquelle? Well, that's all right. Est-ce que tu peux pas? Non. Ah, c'est pas grave. Moi non plus apparemment. Ok, il est vénère contre le chien. Voilà, qu'est-ce qui va se passer à cause de ça, la muselière? Attendez, je vais reculer un petit peu, me mettre à l'aise. Nya. Ah putain, mon cadeau de Noël et d'anniversaire. Pff, trop fat quoi. Pff. Voilà, je me la pète un petit peu. D'un CDI avec une personne. Ça c'est cool. Oh putain. On peut y aller? Non, un œil. Encore un œil. GG. Un CDI genre
Genre ça y est, c'est officialisé, la bague et tout. Genre c'est dit, genre ouais, trop bien, on est ensemble. Je suis à terre. Bon, on a fait une petite sieste. Tu peux te la péter là, yes. Ah, ok, on s'en fout. Encore. J'avais pas ouvert la dernière, la première. Ok. Donc, nous sommes dans une pièce avec un gros cadre. Pas du tout en fait. J'étais en train de me dire, nous sommes dans une pièce avec plein de cadres alors qu'il y avait un gros cadre avant. Il y a encore la muselière ? Oui, ça sert à rien. Ok. Ferme-toi. Tu disais entre nous et c'est bien. Vous êtes où ? Bah, qu'est-ce qui est fou ? Je pose la question très innocemment pour savoir. Les rats, elle est par là. Bon. Ok, il y a des chaînes. Un festeur de toile, tas de fourrure, pulsant, du poison pour peindre, feu, l'ultime solution. D'accord, donc il était fou, il voyait des rats partout. Ou alors il était pas fou. Il y avait des rats partout. On peut voir le tableau ? Non ? On s'en fout ? Ok. J'ai pas encore. Chaque chose en son temps. Putain, mais ça fait trop peur. Chacun sa merde. Wack. Hé, mamie, là, t'as arrêté de jouer avec ta chaise ? Qu'est-ce qui va encore se passer ? Oh, bah tiens. Il y a un objet, on l'entend. Hey princesse, quoi? Oh, c'est les médicaments de papa, bourbon whisky. Chaque fois papa a mal, ça aide à faire partir la douleur. Non, ne touche pas ça. Oh mon dieu, je suis. Attends, pardon. I'm so sorry. Ok, I'm sorry. Ok, on va lâcher ça. Et qu'est-ce qui va se passer? On a bien remarqué qu'il est alcoolique le père. Non, ça bouge pas. C'est juste animé. Oh ! Une petite pièce secrète ! Bah, j'aurais dû forcément venir là s'il y a une manivelle. C'est que je vais en avoir besoin. Des tiroirs. Ça, c'est un interrogatoire, Black. Cela arrive que certains artistes soient des précurseurs et deviennent donc incompréhensibles pour les critiques contemporains, mais je ne pense pas que cela soit le cas ici. Cela fait de la peine à dire, mais Nyanya n'a pas progressé. J'irai jusqu'à dire qu'on assiste à une régression artistique. Va te faire foutre. Ok, allez, on avance. Que des habits. Pourquoi est-il la lumière? Pourquoi j'ai une manivelle? Y a rien dedans? C'est dans l'autre pièce? Salut Valmore! Qu'un petit jeu d'horreur pour se réveiller le matin. Comment ça va? J'espère que la manivelle va servir à quelque chose. Tiens, bonjour toi. Ah bah, en fait non. Bonjour personne, il est plus là. Ah
C'était marqué « Ne regardez pas en arrière ». Oh putain, don't look back, et le mec se retourne. Mais évidemment, si on vous dit « Ne regardez pas derrière », tout le monde se retourne. Bouh. Ouais, bouh, ouais. Putain de jeu de merde. Pourquoi il était gratuit sur Humble Bundle ? Deux minutes. Oh, ce cri de bébé. Qu'y a-t-il à faire ici ? J'avais une manivelle tout à l'heure. J'ai perdu ma manivelle. Je suis peut-être pas allé dans la bonne pièce, du coup. Faut que je fasse quoi ? Est-ce que ça a un rapport avec ça ? J'ai pas envie de le faire. On peut plus la faire aller. Bon, allez, on avance. Message. On s'en fout. Alors, que de beau Valmore ? Dis-nous tout, qu'as-tu de beau pour Noël ? Cette porte fait du bruit, à mon avis, elle est fermée. Ah non. Toutes les portes qui font du bruit sont fermées en général. Ça, je commence déjà à trembler alors que je viens à peine de rentrer dans la pièce. Il y a forcément quelque chose à faire, quelque chose à voir. J'ai trouvé Dead or Alive, Extreme Beach Volley sur Xbox. C'est par là. Il y a une musique angoissante. Ça, non ? Non, il y a rien ? Sérieusement ? Ah, il y a une lumière à éteindre. Ah, allumé. Tout tour. Plus allumé. Je suis en pleine panique. Qu'est-ce que... Pour Noël, c'est mon ventre qui a été gâté. Entre repas chez mon grand-père et ma grand-mère. Ah putain. Les meilleurs repas, c'est chez les grands-parents. Qu'est-ce que j'ai... régalé. Pourquoi j'ai dans ce sens-là ? Je sais jamais dans quel sens faut aller. Mais du coup, je descends à chaque fois. Cette maison, elle a 10 étages en sous-sol. Je sais jamais si c'est bon. J'ai pas encore vu cette pièce. Oh, vu qu'il y a un bruit là, à mon avis. Encore un souvenir. Hickory dickory. Tic tac toc. Une souris dans l'horloge. À 100, sonne un coup, la horde descend. Tic tac toc. Bon, alors qu'est-ce qui va se passer ? Il se passe toujours quelque chose quand je regarde un truc dedans. Ah, peut-être là.
Faut que je parte. Oh, oui, ok. Sympa pour la maman Vic. Pour ta maman. Pourquoi pour ma maman? Qu'est-ce que j'ai dit? Mais elle a fait un excellent repas, ma maman. Ça veut... C'est pas parce que les repas des grands-parents sont les meilleurs que... Oh là là. Qu'est-ce que tu me fais dire? J'étais pas là tout à l'heure, déjà. C'est là où la poupée a... Il y a un truc là. You know, even though you are my rival and the source of all my sorrows, you're also the only one I can still talk to. Tu es la seule personne. The only one who will listen. La seule personne qui m'écoute. I'm not sure if it's funny or merely pathetic. Probably both. C'était ridicule. Donc du coup, j'ai trouvé l'objet. Non. Ah, la porte s'est ouverte. Ouvre-toi. Oh putain. Attention, jumpscare. Bon allez, attendez, les gens, on va faire, je fais un petit truc, voilà, parce que ça me tient à cœur. Salut tout le monde. Ah, ta gueule toi. C'est, ouais, c'est, vous l'avez entendu. Attendez, hop. Hop. T'es. Si ça vous intéresse, j'ai ma petite chaîne YouTube, donc n'hésitez pas si vous voulez soutenir tout ça. Allez, lâchez un petit follow, tout ça. J'ai fait des vidéos sur Noël, une vidéo sur les super-héros, enfin sur les héros de films, de séries. J'ai fait une vidéo sur un jeu smartphone de danse avec la tête, enfin un jeu de grimace. N'hésitez pas, ça fait plaisir. Oh, le gros bébé poilu. Ça fait plaisir, c'était l'instant promo. Salut tout le monde. Ouais, il faut que je trouve mon petit truc, je vais changer. Vous voyez, je dis bon salut tout le monde parce que j'ai... Parce que c'est comme ça que j'ai envie de dire pour l'instant, mais on verra. Le jour où je serai peut-être un peu plus à l'aise. On peut pas la bouger celle-là? Non. Ça m'a l'air d'être un bureau. Putain, j'ai trouvé du premier coup. Pourquoi tu ne me parles pas? Si, c'est sympa, tu dis bonjour, toi. Bah oui, forcément. Salut YouTube 2007, putain, Kiro. En plus, c'est la vidéo avec la pire caméra que j'ai faite. J'ai voulu essayer avec la GoPro, la dernière, la première qui est en expo. Oh là. On retient. 3-6-3. Bon, je vais continuer à fouiller. Ouais, il y avait un rat. Ah, peut-être qu'en fait, les rats, c'est des hallucinations. Babyface. Certaines peintures sont au-delà de tout mot et encore plus de la critique. Une connaissance basique du sujet est obligatoire si on veut ne serait-ce que tenter l'expérience. Babyface est une de ces peintures. Cette anomalie artistique attire des dizaines de milliers d'amateurs de la médiocrité. Waouh. Bon. Et de connaisseurs du dimanche en art abstrait. En vérité, elle ressemble à ce qu'avait fait un peintre instable pendant un week-end marathon artistique enfermé dans une cave. La peinture excelle de laideur, sans parler de l'horrible technique. D'accord. Babyface. Ce qui est vachement chelou. Des bouteilles. Et des pipes. Non mais sérieux, tu vas me bloquer toi? Il y a toujours un truc quand on allume les lumières ou quand on les éteint. On peut pas allumer la cheminée. Il y en a trois. Est-ce que ça change quelque chose?
Perso, la bisexualité n'est pas mon truc, je respecte toute forme de sexualité. Putain. Je pense que pour toutes les femmes, c'est plus facile. Ah, c'est fermé. Ok, donc. Je pense avoir raté un truc de la conversation, mais c'est pas bien grave. Alors, il faut que je fasse un truc. 363, il y a un code à rentrer. De l'autre côté, il y avait un livre qui servait de porte, enfin de bouton pour enclencher. 363. Dans quoi on peut faire un code? Il y a des papiers sur le bureau. Non. Le téléphone. Comment ça marche? Ah d'accord. Oh putain, je sais plus comment ça marche. Il y en a d'autres? Il sonne où l'autre? Vous l'entendez? Merde. Je me rapproche. Là, je m'éloigne. J'essaie d'entendre les bruits. Oh putain! Putain, j'étais comme ça depuis tout à l'heure, j'ai pas vu le plafond. C'est plus bloqué? Si. D'accord, ok. Désolé qui s'arrête, on est pas... allez-y, faites-vous plaisir, hein, moi ça me dérange pas. Faut juste trouver la personne à qui tu kiffes la vie. C'est exactement ça, Black. J'ai mis 28 ans à trouver. Perso. Et ça, c'est cool. Tu le sens tout de suite. Pourquoi j'ai l'impression que c'est dans le mur? Et ça commence à partir en... délire très chelou. Il est là! Tu as promis! Ah, il y a un autre code à faire. Eh, je suis tombé? Je suis vraiment teubé. J'ai sauté. En plus, j'avais vu le nouveau numéro à faire, quoi. Bon bah écoutez, j'ai raté une occasion de faire quelque chose de bien, je pense. On recommence? Ok, ça me va. Nickel, allez. Nickel, on avait vu le code en haut. Oh, bah c'est plus du tout pareil. Bon, bah d'accord. Je suis plus haut. Ok. Donc on va là-bas, le code est en bas. Faut pas que je l'oublie. Ah, il est plus affiché. On va décrocher. Tu as promis. Et le code, enfin le nouveau numéro va apparaître en bas. Je l'avais vu. Il y est plus ? Je l'avais vu. C'était quoi ce bruit ?
Voilà. 8, 5, 3. C'est un peu original. Voilà. Ah, c'est moi qui l'ai poussé. Ah, c'est cool. C'est moi qui l'avais poussé en fait tout à l'heure. Sympa. Oh, une porte là. Ça ne résout rien, ça n'a jamais été le cas, ça ne le sera jamais. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Là, il n'y a plus rien à faire. Non. Il me fait peur, lui. Je vois pas trop ce que je dois faire. Est-ce qu'il faudrait pas que je saute quelque part? Non, la porte s'ouvre. Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous voyez quelque chose à faire? Peut-être rentrer dans le tableau? Non. Là, je peux venir jusque là. Pourquoi le bébé est tombé? Il est tombé tout à l'heure quand j'étais en bas. Il y a un téléphone là-bas. J'étais là, non? Je sais plus. C'est à n'y rien comprendre. Ah. Faut que je passe un coup de fil. Un nouveau numéro. 3, 5, 4. Ok. C'est n'importe quoi. C'est vraiment du hasard si je fais les bons mouvements, quoi. Ouh là là. Il y a un délire. Faut que je descende ? Non, peut-être pas, il y a une porte là. Bon bah il faut que je descende. Allez. À mon avis, c'est ce qu'il fallait faire. Ah, ok. Le téléphone est là maintenant. Tu le mérites dans sa totalité. All of it. Ok. Le téléphone qui fond, tout est normal. Il n'y a plus qu'à partir. Ah, c'est fermé. D'accord. C'est que c'est pas fini, il va encore se passer un truc ou c'est à moi de faire quelque chose. Cette étagère là, elle était pas comme ça tout à l'heure. Il n'y a pas d'interrupteur dans les livres? Non. Il n'y a rien sur le plafond. Allumer les lumières. J'ai dit tout à l'heure qu'il fallait allumer les lumières dans les jeux vidéo pour trouver des trucs. Non. Rien à voir. Oh bah je suis con. Le doigt. J'ai besoin d'un outil pour ajouter la... Comment dire, touche finale. Ok, j'ai le cinquième objet. Finger. Kiro, un petit rocket. Je l'ai presque brûlé. Est-ce que je vais réussir à le faire? D'accord.
Il y avait un truc là, j'ai cru. Trial and error. Donc j'ai un doigt. Allez. Donc effectivement, la pièce, elle devient de plus en plus n'importe comment là. Allez, j'ai un coffre, j'avais pas de coffre tout à l'heure. Si, j'avais un coffre peut-être. Le doigt est arrivé là. Non, il va arriver là quand je rajouterai. Ok, donc il a peint sa femme. Donc évidemment, on a l'avant-dernière pièce du puzzle. On a des trucs en plus. Là dedans, il y a quoi? Toujours les pinceaux. Ça ne sert à rien. Bon bah là, y a pas de photo en plus. Hein. J'ai dû rater 2-3 trucs. Forcément, je suis pas dans les bonnes pièces. Et le mot, est-ce qu'il se remplit? Bon allez, je suis à 1h55 de ce jeu. J'ai allumé la lumière. Hop. On va passer à un petit Rocket League, ça va faire plaisir en 2v2. On va voir ce que ça va donner.